qui vient des bonnes choses. Or, s'il y a un vilain dépôt en toi, ce dépôt-là va attirer les vilaines choses. Les gens qui vont t'escroquer vont venir. Tu es là, c'est les gens bizarres. Ça ferme le trou, hein. Faut éviter. Les gens bizarres qui vont venir, qu'on appelle gigolo. Il y a des gens, eux, ils dépendent des femmes. Mais vraiment, c'est de la sorcellerie. Mais comment toi-même, tu es là, garçon? Et puis, c'est les femmes qui payent manger pour toi. Or, celui qui a le pouvoir d'achat, celui qui a bouche. Or, si la femme paye manger, c'est elle qui va parler de toi. Tu viens parler de toi. Amen. Or, tu es là, c'est les gens bizarres qui ne travaillent pas, qui sont dans ta vie. Les femmes mariées. Tu ne comprends pas? Tu es là, tu t'enlèves, tu mets si bonne femme. C'est les femmes qui vont te créer des problèmes. Bouche, on dirait lance-roquette. Elle va t'insulter, t'emmerder. C'est les femmes comme ça que tu vas rencontrer. Des gens bizarres. Parce que ce qui est en toi est bizarre. Parce qu'ils ont mis quelque chose de bizarre en toi. Donc après le bain d'huile, il y a une action que j'ai faite tout à l'heure. Ça, je ne fais pas ça constamment. C'est une inspiration que j'ai reçue de Dieu. Je vais verser le sel de mer. Ce n'est pas démoniaque. Moi, c'est moi qui combat fétiche. C'est moi qui combat sorcellerie. C'est moi qui combat l'œuvre de Satan. Je ne peux pas composer un Satan. Mais c'est une inspiration que j'ai reçue de la part de Dieu pour régler maintenant un problème dans ta vie. C'est cela que le même jour, l'aveugle était malade. Au lieu que Jésus l'impose les mains, Jésus a trouvé bon qu'il fallait faire une boue, prendre sa salive pour guérir le malade. Amen. Il y a des choses qui doivent disparaître dans ta vie. Amen. Il y a des choses qui doivent disparaître définitivement dans ta vie. Amen. Vous devez avoir l'argent. Vous devez amen. Si vous savez ce qu'il y a dans l'argent, vous serez les premiers à dire amen. L'argent rend grand. Amen. Vous savez ça? L'argent te donne force. Amen. L'argent fait que tu as bouche. Amen. L'argent fait qu'on te respecte. Amen. Non, je suis grand frère, puis quoi? C'est si je mange. Tu es grand frère, puis tu es plus quoi? Ou bien, tu es grand frère, tu n'as pas le pouvoir, tu deviens petit frère. Dans la famille, c'est celui qui a ça, là, qui est grand frère. Or, Dieu veut que tu sois la tête. Or, si tu veux être la tête, il faut que tu aies ça. C'est pas non, je suis né le premier, on s'en fout de ça. C'est pas de ça qu'on veut manger. Or, si tu veux le grand, c'est l'argent. Le jour où j'aurai le pouvoir dans la famille, c'est le pouvoir, c'est l'argent. L'argent, là, c'est le pouvoir. C'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit, mais il y a un pouvoir financier. Vous avez ça dans la famille, c'est vous qui devenez grand. Or, la Bible dit que Dieu te fera de toi un grand, non la queue. Le jour où tu perds ce pouvoir, tu te mets la queue. C'est ce qui devait être. Amen. 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 Afin que votre évangile puisse porter. Le jour où tu dis Jésus est Seigneur, on dit oui, on t'écoute, donc Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Mais si tu es grand frère, que tu n'as rien, c'est ton petit frère, tu vas suivre. Tu vas lui parler de Jésus, il ne va jamais t'écouter. Le jour où tu n'as pas l'argent, femme va terminer quand l'amour là va disparaître un peu. Elle va dire, ah, tu m'as mis trop, t'as dit, laisse-moi dormir. Et tu n'as pas l'argent. Tu parles quand elle s'en fout de toi. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous donne le pouvoir. Amen. Ça, c'est un pouvoir. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, il y a ça dedans. Vous pensez que le Saint-Esprit, on parle en langue seulement. Non, il y a ça dedans. C'est pour ça que l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Le propriétaire de l'argent et l'or, c'est Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Satan n'a pas l'or et l'argent. Il ment. C'est à Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais changer le cours de ta vie tout à l'heure. Dis amen. Amen. Voilà, je vais changer. Je vais assainir ta vie. Les bonnes choses vont arriver. Ça là, ça règle tout. On n'a pas besoin de t'asseoir poser un prophète. C'est qui est fini là. Ça va régler tout. Amène-moi les sauts. Si tu es quitté ici, tu vas rencontrer bon mari. Amen. Tu vas rencontrer bonne femme. Aujourd'hui, je chasse les gens qui sont inutiles de ta vie. Amen. Tous ceux qui sont inutiles, qui viennent te faire dépenser, qui ne peuvent pas t'apporter quelque chose, je les chasse de ta vie. Amen. Si tu me quittes aujourd'hui, vous allez vous séparer. Forcez. Il aura une séparation entre toi et les vilaines choses. Amen. Dieu attirera l'argent vers toi. Amen. Tes activités vont reprendre. Amen. Tu n'as pas du travail. Tu vas avoir du travail. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez avoir du travail. Amen. Les vilaines choses ne vont plus vous arriver. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'ai même fait des vilaines choses. J'ai détruit la pauvreté. Amen. J'ai détruit l'échec. Amen. Si on doit parler de quelqu'un qui a l'argent, c'est de toi qu'on va parler de ça. Amen.
on parle de quelqu'un qui a l'argent, c'est de toi on parlera désormais. Dis amen. Amen. Vous n'allez plus avoir les femmes bizarres qui vont vous créer des problèmes. Amen. Dieu vous donnera la femme de votre vie. Amen. Dieu te donnera l'homme de ta vie. Amen. Amen. Au travers de cette action, les bonnes choses entreront dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'ange de Dieu te bénit ce matin soir. Je vais te bénir ce soir. Amen. Et tes ennemis n'auront pas raison sur toi. Amen. Je vais vous bénir et puis je bénis vos enfants. Je les bénis ce soir au nom de Jésus. Je les bénis ce soir. Levez-vous, mettez la main sur vos têtes, je vous bénis. Je sens que je dois vous bénir ce soir. Je vous ouvre les portes de bénédiction. Dieu va commencer à essuyer vos larmes. Dès que vous quittez ce centre, vous allez voir les portes grandement ouvertes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Personne ne pourra vous arrêter. Dans l'élan de votre bénédiction, même un sorcier qui s'élèvera contre vous rencontrera la main de Dieu. Même un sorcier qui s'élèvera contre vous rencontrera la main de Dieu. Alléluia. Dieu vous bénit. Amen. Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Désormais, personne ne pourra vous arrêter. Amen. Personne. Amen. Parce que je vous fais asseoir dans ce qu'on appelle la richesse et la gloire. Amen. C'est la gloire désormais. Amen. Les vilaines choses s'éloigneront de vous. Amen. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une action que je pose. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a un pasteur qui m'insultait sur le feu. Je lui ai dit, je te comprends parce que tu n'as jamais vu Jésus. Si tu as vu Jésus, tu vas fermer ta bouche. Moi, j'ai vu Jésus plus de 20 fois. Jésus n'est pas bête pour se présenter à Crasso. Il n'est pas bête. Je ne dis pas un démon. Je ne suis pas né pour un démon. J'ai vu Jésus. Donc moi, je n'ose même pas t'insulter. Parce que si tu connaissais Jésus, tu n'allais pas me critiquer. Tu allais savoir ce qu'il fait là, Dieu est dedans. Parce que toi-même, tu n'as jamais chassé un démon. Il y a des gens qui n'ont jamais chassé un démon. Les démons ne les respectent pas. Ce sont ceux qui sont prêts à critiquer tout. Prêts à critiquer. Non, lui n'est pas de Dieu. Moi, je n'ose même pas attaquer un pasteur, ni un prophète. Tu n'es pas de Dieu. Dieu même là-haut, là, il connaît. Il peut te frapper. Il n'a pas besoin de te critiquer. Les chrétiens même là, ce que tu les enseignes, s'ils ne voient pas ça ailleurs, ils ne vont pas aller là-bas. C'est parce qu'ils ne doutent pas des bonnes choses qui vont ailleurs. Je ne suis pas prêt à attaquer un pasteur. Non, j'ai dit, monsieur, Jésus n'est pas bête. Moi, là, j'ai vu plus de 20 fois Jésus. Toi-même, tu ne l'avais pas vu une fois. Même ton orteil, tu n'as pas vu. Donc, moi, il n'y avait pas mal, on ne peut pas discuter. Les anges, les yeux n'est pas bête pour se présenter à Crasso à tout moment. Ce n'est pas les démons, c'est les anges qui se présentent à moi. C'est pour ça que moi, j'ai le pouvoir d'aller détruire un fétiche sans peur. Je rentre dans un coin où il y a vaudou. J'écrase ça dans ma main. Amen. Les fétiches déjà ont peur. Là. Sans peur. Parce que je sais ce qu'il y a en moi. Amen. Amen. Je sais ce que Dieu m'a dit en début de semaine, cette semaine. Je reviens de très loin, je reviens d'un combat. Je sais ce qu'il m'a dit. Dieu va vous ouvrir les grandes portes. Amen. Je vous assure, Dieu va vous ouvrir les grandes portes. Amen. Les grandes portes. Il va essuyer vos larmes. Amen. Dès que vous quittez ce centre, vous allez voir les portes grandement ouvertes maintenant. Amen. Et Dieu va vous bénir. Amen. Venez vous asseoir. Là, tu devais se taper l'âme de l'eau, mais tu es là. Là, c'est tout. Nous nous donnons la temps pour combattre. Oui, 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 on aura l'occasion de parler. Mets-toi les cartes. On va aller rapidement. Oui, tout ça, ça annonce à ce régler. Thank you.
Depuis matin, même une goutte d'eau, je n'ai pas encore bu. Parce que aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'important dans votre vie. Voilà. Même une goutte d'eau, je n'ai pas encore bu. Parce que vous devez pas, ici, ça ne doit pas être un endroit où vous venez comme ça, comme de tourisme. Il faudrait qu'en retour de votre visite ici, quand vous retournez, Dieu pourvoie vos besoins. Amen. Voilà, c'est moi, c'est ma prière. Les choses doivent changer. Les deux mamans là, demain j'ai fait pour vous. D'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas fait. Surtout maman là, j'ai vu quelque chose sur toi. Ce n'est pas trop bon, hein. Si j'ai fait l'eau là, ça va te paralyser. Non, même j'ai fait quelque chose. Camarade, ça va? J'aime bien les enfants. Ils sont innocents. Il faut les... Pour ça, quand quelqu'un initie un enfant, ça me fait mal. Ouh, ça me blesse trop. Les enfants sont innocents. Il faut les protéger. C'est trop bête d'initier un enfant. Là, vous l'avez? Aide l'enfant. Viens faire ton enfant. Les pieds et les yeux. Les hommes gigolos de Paris, approche la caméra. Vous qui bouffez l'argent des femmes, vous les emmerdez, vous, elles travaillent pour vous, elles couchent des gigolos là. Je vous chasse des maisons des femmes. Allez travailler au nom de Jésus, sorcier que vous êtes. Laissez-les, oui, vous emmerdez, ils ont des familles ici, ils ont des familles ici, tout ça. Vous avez des maîtresses, c'est quelle vie là? Vous vivez, c'est une vie de sorcellerie ça. Venez ici au champ, vous allez faire rivière, c'est bon. Vous êtes à Paris, là où ça fait, où il y a bouche, vous n'avez rien. Non, je m'occupe de lui maintenant. Parce que elle, c'est un problème, c'est sûr. C'est souple, hein? C'est petit qu'on a. Monsieur, c'est du pied. Attention, hein. T'as vu quoi, ciel? T'es possédé, hein. C'est la gamme. Thank you.
On va vous donner un peu d'eau là. Cherchez un petit récipient. Tous ceux qui sont assis là, on va vous remettre. Ceux qui sont à l'étranger, dès que vous revenez, dès que vous arrivez à la, chez vous, vous versez ça dans la maison. Voilà. Vous, voilà. Et vous, vous donner ça. Oui.